La réussite pour moi, c'est avoir de l'argent, travailler, aider nos parents comme nous l'ont fait. Bah, c'est être intelligent. Avoir une famille. Avoir une maison. Avoir un chien. Bah, une femme, parce que parfois ça peut t'aider. Dans la vie, on réussit parce qu'on on s'occupe bien de son métier et on lâche pas au bout de 3 mois. La grande réussite pour moi, c'est la réussite de sa vie. Et la petite réussite, c'est on a gagné un match, on a gagné un jeu, on a gagné un petit 20 sur 20 à l'école. Réussir, c'est réussir les études. Hein. Mais à l'heure actuelle, il faut les études, quoi. Il n'y a pas une réussite professionnelle sans un équilibre de la vie personnelle et privée à côté. On fait le métier qu'on aime et on continue la vie. On vit comme on peut, quoi. On est dans le time, quoi. Enfin, voilà. Enfin. Pour une bonne réussite. 33 grammes de gentillesse. Une bonne dose d'écoute. 100 grammes d'entraînement. Avoir un bon modèle. Mettre une pincée de concentration. 400 grammes de réflexion. Avec une masse de confiance. Être au chômage, pour moi, c'est échouer. Échouer, c'est quand tu vas pas beaucoup à l'école. Par exemple, à l'école, et ben, au mieux de travailler, ils font des petits bouts de papier, des petits avions, ils les jettent par terre. Ne pas avoir été au bout des choses, pour moi, c'est ça l'échec. Ne pas tenter d'avoir ce que l'on veut ou ce que l'on mérite, peut-être. Qui a foutu déjà le bordel dans sa vie, qui s'en est pas sorti, qui a bu. Pas vivre dans la rue comme des gens y sont. Un mauvais entourage peut aussi, à un moment donné, conduire vers une situation d'échec. C'est pour moi l'enfant perdu, quoi. C'est l'enfant qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas où il est, qui ne sait pas... voilà, perdu complètement. C'est pas parce qu'on les a très très bien éduqués qu'elles vont réussir aussi dans leur vie au quotidien. Donc il n'y a pas de recette miracle, c'est l'expérience tout simplement qui leur apprend au fur et à mesure la façon de vivre. S'il n'est pas bien à l'école, lui faire comprendre qu'il trouvera sa voie autrement, c'est peut-être aussi bien. Mais tout ça, c'est dans le dialogue que ça passe. Il faudrait qu'on l'aide à se rattraper. Ses parents, il ne faut plus qu'il se laisse faire à se faire traiter. Il ne faut pas qu'il les laisse faire n'importe quoi sur les ordinateurs. Tant qu'il est enfant, je pense qu'on peut encore manœuvrer. Et au bout d'un certain temps, à mon avis, c'est difficile de faire machine arrière. Une situation d'échec, la vie ne s'arrête pas. Il faut savoir lui expliquer qu'on rebondit. Oui, c'est dur sur le coup à encaisser, mais c'est des épreuves qui font grandir. Et c'est grâce à ça qu'il avancera autrement. Ce n'est pas la fin du monde. Je réussis, bah, ça veut dire que j'ai espoir. J'ai changé le monde.